Bonjour et bienvenue au Biogamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mardi et le mardi c'est un jour en I. Et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. Un live from the Appalaches et après de très longues recherches pour le trouver, voici tout de suite le 312e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui, nous visitons le camp de X Bloody XI. Appelons-le Bloody Mary. Alors que nous sommes sur le golfe et que, comme j'aime à le dire, regardez ça, le bâtiment est derrière nous. Lorsque on a du mal à trouver des choses intéressantes, il faut en revenir aux valeurs sûres, aux valeurs refuge. Et la valeur refuge, la valeur sûre, là où on n'est jamais déçu. Ou presque jamais, c'est sur le golf. Papy est sur le golf parce que je peux vous annoncer qu'au moment où je dis, où je prononce ces mots, je viens d'enchaîner 17 visites de camp. 17. Quelques-uns ont dépopé assez rapidement. Il y en avait un ou deux qui avaient l'air prometteurs, mais qui ont dépopé. Vous en avez d'autres où il n'y avait pas grand-chose. Certains étaient fermés, certains étaient carrément moches. 17, plus d'une heure et demie, et enfin je trouve cet épisode alors que nous sommes lundi soir et qu'il est 22h30. C'est pour vous dire, hein, Papy est rentré de vacances, mais Papy n'a pas réussi à reprendre de l'avance. Hein, Papy a repris le boulot aujourd'hui, donc là pour l'instant c'est du jour le jour, et quand je vois la soirée que je viens de passer, avec une heure et demie déjà pour en trouver un, et j'espère qu'il va pas dépoper encore, parce que sinon ça veut dire que ça va se poursuivre juste pour l'épisode de demain, c'est pas ce soir que je vais prendre beaucoup d'avance sur les épisodes à venir. Mais bref, nous sommes sur la valeur refuge du golf et nous avons une belle structure, regardez ça. Un bâtiment de plein pied en bois bleuté, moderne, contemporain, colonial. Regardez ça, avec des pylônes électriques sur le toit et devant la machine à faire de la neige. Une des dernières créations disponibles dans la boutique atomique en cette période des fêtes, ainsi que le grand, l'immense, le colossal sapin des fêtes qui se trouve juste à côté. Écoutez mes chers enfants, tout ceci me semble être prometteur. On est dans une zone où on a déjà vu quelques camps. Je m'en rappelle d'un, notamment camp énormément d'extérieur qui était placé là sur le parking. Il avait investi le parking. C'était il y a quelques mois de cela. Et bien nous sommes de retour dans cette zone du golfe, juste en dessous du complexe de White Springs, juste en dessous du golfe en lui-même de White Springs. Enfin, du bâtiment dit golfe de White Springs. Je vois un tube de super mutant à l'intérieur. Ça a l'air sympathique, mais on va finir le contour. Regardez ça, bûcher de la Fashnart avec grand-père hiver qui crame. Un petit néon Kill Love Love sur le côté. Nous avons également le grill à Bramine ici. Et nous avons... regardez ça. Nous avons même un abri, les enfants. Avec le petit panneau lumineux qui nous indique qu'il s'agit des quartiers résidentiels. Et on nous annonce également que les amis sont les bienvenus. C'est l'entrée d'abri fortifié. Et le joueur a fait l'effort, regardez ça, il a fait l'effort derrière de rajouter cette espèce d'élément de fondation en pente qui trouve vraiment une utilité. Pendant de nombreux épisodes, je me suis posé la question lorsque je voyais des joueurs poser ça. Mais à quoi ça sert? Quelle est l'utilité réelle? Il y a des moments c'était utilisé comme tremplin, juste pour faire joli. Et bien maintenant ça sert à faire joli, mais ça sert, voyez, à donner une cohérence au placement d'une porte d'abri qui, si on ne la met pas sur une surface derrière laquelle il y a quelque chose, et bien ça fait plus porte magique Harry Potter que véritable entrée d'abri Fallout. Et bien là au moins, on a l'impression, quand on est là, ça ne sert strictement à rien, mais on a vraiment l'impression, c'est plus raccord, RP parlant, il y a quelque chose, il y a une vraie entrée d'abri derrière la porte, et ça, moi, personnellement, j'apprécie. Vous me direz, peut-être que vous trouverez que je chipote, vous me direz, oh, papy, t'exagères, on s'en fout d'où elle est placée la porte, mais quand même, je trouve que c'est bien d'avoir un minimum de cohérence dans tout ça, c'est quand même plutôt pas mal. A-t-il, oui, il l'a bien fermé. C'est Porto Santos, c'est vrai, qui m'a prévenu l'autre fois pendant mes vacances que j'avais oublié de mettre un verrou dessus. Donc n'importe qui pouvait me piquer mes cadeaux de Noël. Un des seuls trucs sur lequel je mets effectivement un verrou parce que c'est très recherché en ce moment. Même si ça ne m'a pas servi à grand chose pour l'instant puisque je n'ai toujours pas la petite Bramine bleue.
la petite peluche de la Brahmine bleue qui est là, tranquillement posée sur le siège ici, sur le fauteuil roulant. Oh, regardez comme elle est jolie. Je veux la peluche. Je la veux, cette peluche. De toute façon, il y a deux Noëls de ça. Il y avait les lampes stalactites. J'ai eu un mal fou. Non, c'était l'année dernière. J'ai eu un mal fou à l'avoir. J'ai couru de tous les sens. Jamais réussi à l'avoir en tuant des calcinés de Noël. J'ai fait le tour de je ne sais pas combien de camps. Elles étaient en vente à 3000, 5000. C'était impayable. J'ai eu un mal fou à récupérer ces lampes stalactites. Ça a popé sur un calciné à la toute fin de l'événement de Noël. J'espère que cette année, ce sera la même chose pour cette petite Brahmine bleue. Nous avons l'animatronique du Père Noël, en tout cas, à côté, qui nous accueille. Et il y a le clown un peu moins sympathique de l'autre côté qu'on va activer aussi, il n'y a pas de raison. Hein. On est accueilli par l'animatronique. Hein. Je vais rentrer dans le camp. Regardez ça. Vous avez visiblement... Ouh, il y a du buffet. Ouh, il y a du magazine. Ouh, il y a de l'éclatage de budget là. Il y a de l'éclatage de budget les enfants. Très clairement, je crois qu'il y a de l'éclatage de budget encore. Regardez ça. Vous avez donc ce bâtiment qui a l'air d'être divisé en deux zones. Vous avez une zone circulaire qui a l'air... Ah oui, il y en a d'autres de l'autre côté. Qui a vraiment l'air de faire en fait tout le tour de cette grande pièce carrée. Voilà. Et vous avez une deuxième zone avec la pièce centrale en fait. Cette pièce centrale en vert dans laquelle vous avez la zone technique. Hein, la zone autour... Tout ce couloir qui fait le tour, c'est la zone de collection, parce qu'il y a des buffets, il y a également des présentoirs à revue. De l'autre côté, j'ai aperçu, on les voit là à travers le verre, il y a les machines de vente, il y a la zone commerciale, et au centre, vous avez la zone technique, tout simplement. On va commencer par la zone technique, on garde les collections pour la suite. Sol en gazon artificiel, et vous avez plus que la zone technique, puisque vous avez même une pièce de vie, en fait, sur le côté, regardez ça, avec un Lifakir, avec le nouveau frigo Voltec ultra moderne. Vous avez une belle cuisinière également à côté, un cuisinière de Yasmine, c'est le nouvel allié mineur, eh ben, elle est là, donc du coup, hein, j'imagine. Bonjour Jasmine. Bonjour Jasmine, voilà, c'est toi qui fais la cuisine. Alors j'ai récupéré Jasmine, je l'ai encore pas posée dans mon camp pour voir ce que ça faisait. Hein. Je ne sais pas trop, coucou. Salut. Ouais. Est-ce que tu es aussi chiante que le commandant de la guerre, dis-moi, ou pas? Ça a pas... Ouh, par contre, j'en veux bien de ton morceau de steak. Hein. Papy, tu perds du temps, ça va dépoper. Pardon, oui. Excusez-moi. Zone technique, regardez ça placé dans ce coin-ci. Vous avez l'établi de chimie au premier plan, avec à côté un baril radioactif. Vous avez derrière les autres établis, notamment les établis d'armes et d'armure aux couleurs de Voltec. Vous avez l'établi de bricolage dans le coin et les deux boîtes, hein, la boîte de la cache classique est en dessous de la scrapbox de la boîte à matériaux de Fallout First. Vous avez le tube à super mutant qui est placé, en fait, il cuit, il est en train de cuire notre super mutant en slip kangourou. Oui, parce que je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, on a remarqué qu'il était habillé d'un slip kangourou, hein, ce cher super mutant, heureusement. D'ailleurs, et il est posé là, regardez ça, sur la partie embrasée du foyer communautaire. Pourquoi pas, on est en train de cuire un super mutant. Personnellement, j'en mangerai pas, hein, mais chacun son truc. Petit bocal à grenouille également posé sur... l'établi de chimie. Vous avez près du lit Fakir également, ne l'ai-je pas dit, une petite table basse avec la lampe du monstre de Grafton et avec une guitare acoustique à côté. Et puis vous avez le nouvel outil à gagner des bonus de la saison 3, le vieux sac de frappe qui donne plus 2 en agilité lorsqu'on l'a utilisé un certain moment. Allez, on va passer aux collections maintenant parce que là, il y a du travail, même si je pense qu'il y a de l'éclatement de budget. Regardez ça, vous avez d'abord ici un premier élément avec 3 shops posés dessus. La shop de la saison 2, la shop de la Fashion Art et la shop de la semaine de la viande. Vous avez une collection de figurines Volt Boy posée ici et qui est complète et sans doublon. Et puis ensuite, eh bien, on va attaquer les buffets. Mais regardez, quand je vois ici, regardez les buffets, regardez combien il y en a. Il me semblait que c'était limité le nombre de buffets qu'on pouvait coller dans un camp. Il me semble, je vérifierai dans le mien quand je rentrerai après, mais il me semble bien que là, on doit dépasser le quota de buffets auquel on a droit. Ça, je suis à peu près sûr. C'est sans doute l'espace collection le plus rempli qu'on aura jamais vu. Vous avez un premier buffet avec des jeux de société.
différents jeux de société. Vous avez le Blast Rats, vous avez le Autopsy, vous avez le Unstoppable, celui des Unstoppables, vous avez le Rat Poker et vous avez un ballon de basket en haut. À côté, vous avez différents éléments. Alors cette sphère ici, là, dont on m'a dit récemment qu'il s'agirait des boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé du côté d'Horizon, j'ai pas été vérifié encore, j'avais jamais looté ça comme objet sur place, il faudrait que j'aille vérifier ça. Vous avez ça, à chaque fois je ne sais pas, il y avait différentes versions, je ne sais plus. Peu importe, je vais passer vite, vous avez les doudous, la pieuvre et puis le petit doudou bleu. Vous avez un amplificateur de signal ou quelque chose comme ça et vous avez une théière en faïence, ça vient de la maison du thé je pense. À côté vous avez des éléments de Nuka-Cola, vous avez notamment le mug Nuka World et vous avez un verre Nuka-Cola. Et au-dessus vous avez des morceaux de calciné dans du formol et une tête qui n'est pas une tête de calciné, je le rappelle encore une fois, mais une tête de super mutant. Ce qui est dans le formol, c'est les calcinés, ce qui n'est pas dans le formol, ce sont des super mutants éclatés. À côté, nous avons ensuite, c'est des mélanges un peu atypiques, parce que là, on a un buffet qui, lui, est plutôt musical, avec un violon, avec un tambour, avec un tuba, et en dessous, une flûte traversière, même. Je sais même pas comment on arrive à poser ça sur un buffet, en fait. Je suis en train de me poser la question, mais peu importe. Et une part de gâteau préservé qu'on peut trouver dans, vous savez, ces espèces de petits tourniquets à bouffe qui vous le donnent à très rarement, voire jamais. Depuis que je sais que c'est là-dedans qu'on récupère ça, à chaque fois que j'en vois passer un, je l'utilise. Et je n'ai jamais eu la part de gâteau encore jusqu'à aujourd'hui. Après, buffet Nuka-Cola. Incomplet le buffet Nuka-Cola, mais il y a quand même les principaux de base. Hein. Il y a le Nuka-Cola normal, le chéri, le Quantum. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Vous avez le Grappa, vous avez le Wild, vous avez le Orange, vous avez le Dark. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le Canneberge, notamment. Et il manque celui que l'on fabrique soi-même à l'issue des quêtes pour soigner la maladie des calcinés. Vous avez ensuite une collection très complète des chapeaux d'infirmière qu'on peut trouver un peu partout dans les Appalaches, notamment dans l'ancien asile hein, du côté de Fort Défiance. Voilà, vous avez les différentes couleurs, les différents logos, vous en avez 2, 4, 6, 8, il y en a une dizaine. Même si je pense que ce sont les mêmes ici qui sont en 3 exemplaires, mais c'est quand même déjà une très belle collection également. Ensuite, vous avez d'autres galurins, d'autres chapeaux et d'autres masques. Vous avez Adorateur de l'Homme Phalène en haut, vous avez un chapeau de clown, un chapeau de sorcière, vous avez un chapeau en aluminium, ça aussi ça vient de l'asile. Vous savez, c'est pour les gens qui pensent que ça les protège des ondes émises par les extraterrestres. Vous avez le chapeau qui permet de picoler là à côté, vous avez également un chapeau de pompier, vous avez un casque, le casque du commandant Daguerre, on va dire, le casque de spationaute. Vous avez un béret de la Fachnacht, un masque de soudeur, vous avez un masque de crâne pour la Fachnacht, ou pour Halloween, je sais plus dans quelles conditions il avait été donné celui-ci, mais bref. Vous avez tout un tas encore et encore deux autres ici, regardez ça. Vous avez un chapeau de je ne sais quoi, un chapeau de pêche par contre. Et vous avez cet élément-là là, qui vient de la confrérie de l'acier. Oh là là. Et après viennent les masques de la Fachnacht, regardez ça. Masque de la Fachnacht. Alors c'est pas la collection la plus complète là par contre des masques de la Fachnacht qu'on a vu, parce que ça on en a vu avec une dizaine, douzaine, quinzaine de masques. Là ce sont les principaux de la saison 1, hein, du tout début je dirais a priori, avec notamment le soleil, le grand-père hiver et les différents masques on ne peut plus classiques. Derrière on va trouver les machines de vente. Et on continue avec trois autres buffets ici qui sont des buffets plus hétéroclites avec un peu de tout. Vous avez une map monde qui est en bon état, hein. C'est pas les map monde usés, c'est les map monde préservés. Vous avez également ce qui doit être une cafetière, vous avez une salière et une poivrière, vous avez une machine à écrire, une boîte à café préservée également, un ventilateur préservé, un radio réveil, vous avez un drapeau américain plié dans un cadre triangulaire, vous avez un téléphone, vous avez une reproduction du phare de Landview qui dépasse allègrement le haut du buffet, le petit réveil de chez Voltec, assiettes, il y a même des assiettes, une manique, sans déconner, un paquet de cigarettes à côté, c'est un paquet de cigarettes, ça je crois bien, ou même une cartouche de cigarettes peut-être bien, et puis en haut des petites reproductions de petites voitures et de camions du Coca-Cola, eux aussi préservés, tout ça c'est du préservé. Et ça n'est pas terminé, regardez ça après, des répliques de petits robots.
avec Abbott, Mr. Andy, également le robot Sentinelle, et puis des espèces de mélanges un peu étranges entre ces différents types de robots. Et puis, in fine, vous avez une très belle collection de Nounours et de Mr. Trognon. Regardez ça, les jolis Mr. Trognon avec différentes couleurs de cravate, différentes couleurs de Mr. Trognon. Et les Nounours, 2, 4, 6, 6 fois 2, 12, ils sont là, oui, ils sont là. Ils sont tous là, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont au complet, c'est très sympathique. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus de ces collections-là, vous avez une collection complète, des revues a priori. Je laisserai les spécialistes me le confirmer, mais 4 racks complets plus... il en manque que 4 sur le dernier, il me semble bien que ça signifie collection complète. Je vais quand même avancer un peu, vérifier qu'on n'aurait pas un petit doublon, mais je n'en ai vraiment pas l'impression. Pour les Tesla, je regardais notamment pour les Matuelles militaires, mais non, ils sont bien différents tous. Ah non, les Grognacs sont tous là, l'homme des bois en bas également. C'est, et les Scout Life, les Toujours Prêts, traduits en français, qui sont tous différents les uns des autres. Et non, c'est une collection, on ne peut plus, complète. C'est absolument magnifique. Mais très honnêtement, ça nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 les enfants. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 buffets. Je pense très honnêtement qu'on explose largement le budget, mais bon... je ne dirais rien, ça nous a permis de profiter d'une véritable, d'une collection absolument magnifique. Preuve en est également que lorsque vous avez 22 présentoirs avec tout un tas de choses dessus, eh bien ça ne ralentit pas et ça ne fait pas sauter le serveur. Je ne pense pas que si 24 joueurs sur le même serveur avaient tout ça, ça poserait plus de problèmes que ça. Mais bref, on me répondra que je ne suis pas dans la technique, et c'est vrai, je ne suis pas dans la technique, ce n'est pas moi qui ai à gérer ces serveurs-là, je ne suis pas du chez Bethesda, et donc je ne sais pas quelles sont les contraintes. Mais il n'empêche que... Pourquoi j'ai l'impression de m'envoler, là? Je ne sais pas. Ah, c'est à cause de la pente derrière, d'accord, c'est à cause, vous savez que... On est toujours, quand on s'approche des éléments de fondation, voilà, ça monte automatiquement, et forcément la pente nous entraîne vers le haut quand on est de ce côté-ci. C'est pour ça qu'on a l'impression... de s'envoler. On a l'impression de ne plus toucher le sol, c'est incroyable. Hop là, allons-y pour le hall d'entrée d'abri fortifié. Après cette espèce de collection, on ne peut plus complet. Oh mon Dieu les enfants, eh bien ça aura valu le coup. Hein. J'aurais attendu très longtemps, j'aurais tourné pendant très longtemps. Mais regardez cet intérieur, regardez. Alors moi j'aime beaucoup cette entrée d'abri fortifiée lorsque on ne le reconnaît plus du tout. Et là il y a un habillage de mur tout autour qui fait qu'on ne voit même plus l'escalier en V. Parce qu'il y a un escalier en V hein, qui permet de monter, un escalier qui part à droite, un escalier qui part à gauche. Enfin vous voyez de quoi je veux parler. Et là on ne le voit même plus, on ne le devine pas. Il faudra s'approcher pour le redécouvrir. Et ça c'est bien parce que ça veut dire que il y a un vrai effort de... C'est même plus de la déco à ce stade-là, c'est de l'architecture carrément. Hein. C'est très sympathique. Ouh, le clown là sur le côté. Ouais, mon Dieu, cet aspect démoniaque. Mon Dieu. Avec la lampe cercle chromatique tournante. D'accord, c'est ça. Et donc, elle projette une lumière dont la couleur varie au fur et à mesure du cercle qui tourne. D'accord. Et eh bien il est encore plus flippant que d'habitude, le clown animatronique avec une telle lampe. À côté vous avez un jack-o'-lanterne d'ailleurs qui lui-même n'est pas des plus sympathiques. Et c'est... Non! Oh non! Mais non! Mais non! Mais non quoi! Mais non! Mais non je... Non! 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 Eh bien écoutez mes chers enfants, nous avons été expulsés, nous avons été virés, nous avons été rejetés, nous avons été comme ça... poussé vers la sortie. Malheureusement, nous n'aurons pas eu l'occasion de voir plus. Et on n'a pas voulu, on n'a vraiment pas voulu qu'on aille au bout. Le jeu ne m'aime pas et le jeu est en train de... Eh, Bloody, elle est là! Elle est revenue! Attendez, c'est pas fini! Ah, je pense qu'elle a eu une coupure. Et on sait que... Lorsque vous avez une coupure et que vous faites partie d'un groupe ou autre, vous avez la possibilité de repopper sur le même. Ça, c'est bien. Du coup, reviens, on peut finir. On peut finir la visite, les enfants. On peut finir la visite. J'ai bien fait de regarder. Nous voici de nouveau chez Bloody. Nous revoici chez Bloody, les enfants. Regardez ça.
Oh là là, en plus j'aurais bien voulu, j'aurais vraiment manqué ça, ça aurait été terrible. Regardez, ballot de foin, petit arbuste derrière une clôture, petite table, vous avez le grill à bramine, vous avez le palmier en plastique illuminé hein, qui parsème les abris en ce moment, et vous avez cette espèce de statue, cette espèce de monument là que j'ai récupéré. Ça, je l'ai eu le plan de celui-ci. C'est déjà quelque chose. De l'autre côté, un foyer communautaire, regardez ça, avec une statue de Volt Boy. Un petit sac de couchage à côté, vous avez même un petit sapin de Noël et le Père Noël animatronique qui lui paraît beaucoup moins inquiétant que le clown de l'autre côté, en tout cas. Et nous avons même un panier de basket si vous voulez faire une partie. On va s'avancer, vous voyez que le sol est en gazon artificiel les enfants, vraiment pas mal du tout. Et nous allons pouvoir, regardez, ventilateur de chaque côté, et là nous avons Bloody. Tuer, rigoler, aimer. J'aime beaucoup. C'est superbe. Ça rend vraiment absolument superbe. C'est vraiment très très bien. On a une paroi en verre là, en haut. Et vous avez donc les fameux escaliers en V qui partent à gauche et à droite. Et regardez, de ce côté-ci, elle ou il. Mais on va dire elle, je pense. Bloody Mary, bien sûr. Elle a installé une petite zone détente ici avec un baby-foot, avec une galerie de tir de l'as de l'armure. Avec le plan de la saison 2 tout simplement au mur. Sol en parquet ici, magnifique. On va aller regarder ce qu'on a de l'autre côté parce qu'on a une deuxième zone détente. Regardez ça. Ah oui, avec un piano. Dépôt de fleurs et un joli canapé. La lampe du monstre de Grafton et une cheminée animatronique. Avec le poste de télé, c'est la zone télévision, c'est le salon. Vous avez des ventilateurs au plafond qui viennent du Low Far West ici, et vous avez des lampes murales en tube Nixi qui rendent très très bien. Et regardez de l'autre côté, nous allons arriver dans une zone où vous avez la table de la confrérie de l'acier. Table opérationnelle avec une lampe champignon dessus. Vous avez le plan des Appalaches au mur, un coucou à côté et un tableau. Le tableau et le coucou pas forcément raccord, je dirais. Mais ça meuble bien. Vous avez des néons au plafond hein, qui donnent cette ambiance très lumineuse du côté de la table de la confrérie de l'acier. Il y a beaucoup de pots de fleurs également. Peau d'ours au sol. Et vous avez une petite zone ici, regardez ça, qui doit être la chambre. Et oui, la chambre, regardez la chambre. C'est pas sympathique aussi, avec des parois en verre. Et vous avez le beau lit Voltec, hein, issu de la saison 3, hein, avec encore une rampe de tube de lumière Nixi, collée contre le bois de lit, tapisserie bleue au mur, lampe Red Rocket de chaque côté du lit. Ça rend vraiment très bien, et vous voyez le petit poste de télé sur notre gauche, et différents meubles et étagères également. Mais là, si je m'approche, voilà, là c'est vraiment le... Là, c'est vraiment top. La chambre est vraiment pas mal du tout. Continuons parce que ça n'est pas terminé. Regardez ici quand on passe. Porte top secrète qu'on peut ouvrir et qui nous permet tout simplement d'aller dans le décor. Hein, d'aller dans les recoins. Mais du coup, c'est pas mal si on les place là comme ça. Ça donne des effets placard voilà, de chaque côté. Parce que là, ce sera la même chose. Hein, y a rien du tout à voir. Mais ça permet de faire comme un couloir. Et un couloir avec de chaque côté des étagères, deux meubles avec des étagères et des choses cachées derrière ces portes à étagères. Et là, je rentre dans une dernière pièce qui est une zone technique. Vous avez sol métallique et mur en pierre. Ça, c'est un combo qu'on voit pas souvent et qui rend vraiment pas mal du tout. Avec juste une fenêtre, un pan de lumière qui tombe du plafond et des lampes multicolores comme ça qui éclairent l'intérieur. Zone technique avec les différents établis, y compris ceux liés à l'alcool. Sapin de Noël encore dans le coin, poste d'armure assisté, distributeur de Nuka-Cola et trois cheminées Electro 2000. Rien que ça, hein. Rien que trois cheminées hivernales Electro 2000 que je vais allumer les trois avec les fausses flammes. Je préfère celles de la cheminée rustique, mais bon. Elles rendent pas mal non plus. Et puis les deux box, hein, deux boîtes. Vous avez d'un côté la boîte à recyclage, la scrapbox. Et de l'autre, vous avez la cache de l'abri 94. J'aime beaucoup ce puits lumineux. Bon, je suis peut-être moins fan des ampoules multicolores. Mais encore que ça rend vraiment plutôt pas mal. Zone technique. Un style très particulier, très unique.
et qui clôture visiblement cette visite. Mais je suis très content d'avoir pu aller au bout. Je suis très content que ce soit ce camp-là qui ait été retenu. Au final, j'en aurais laissé passer près d'une vingtaine avant, mais celui-ci valait vraiment, vraiment, vraiment le coup. Regardez comme c'est sympathique cette entrée ici. Regardez surtout ici là, le Bloody Kill of Love, avec les lampes à plasma, avec les palmiers derrière. Ça rend vraiment super génial. Voilà, et bien écoutez mes chers enfants, cette fois-ci nous sommes au bout de cette visite. Elle aura été longue, tant mieux, longue et fructueuse. Papy aura eu bien du mal à la réaliser, mais l'essentiel c'est qu'elle soit faite, c'est qu'elle soit là et que nous ayons pu en profiter tous ensemble. Si comme moi vous avez apprécié et le camp et l'abri, dites-le dans les commentaires. Si vous avez une explication sur le nombre de vitrines de disponibles, bah, n'hésitez pas, hein. Faites-en part également, discutons-en. D'une manière plus générale, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si ça n'est pas la première que vous regardez, ou si vous avez été emballé, que vous avez envie d'en voir d'autres, il y a toute la playlist avec plus de 300 épisodes, et surtout le bouton rouge pour vous abonner et rejoindre la communauté. Sur ce, mes chers enfants, il ne me reste plus qu'à vous faire les traditionnels gros poutous, à vous souhaiter une excellente journée, alors que j'entends que ça a l'air de courir pas loin de moi. Non. Non, c'était dans mes oreilles, c'est pas grave. À vous faire les traditionnels gros poutous, à vous souhaiter une excellente journée, un très bon courage à ceux qui travaillent en cette période des fêtes. Et je vous donne rendez-vous pour ma part dès demain matin pour un nouvel épisode d'Un jour un camp. C'était Papy, on live from the Gulf, the place to be, la valeur refuge, où on n'est jamais déçu, ou presque jamais. À vous les studios. Ciao.